Le président vénézuélien Nicolas Maduro a exhorté l'Assemblée constituante et la commission électorale à fixer une date pour l'élection présidentielle d'ici ce lundi. Vendredi, Maduro a été nommé candidat à sa réélection par le Parti socialiste au pouvoir. L'élection anticipée devrait se tenir avant la fin avril, plutôt qu'initialement prévue en décembre. La Cour suprême a interdit de concourir des membres de la coalition de l'opposition et plusieurs importantes figures de l'opposition. Le gouvernement et l'opposition ont auparavant participé à un dialogue sur l'interdiction en République dominicaine. Ils doivent se rencontrer à nouveau ce lundi.